J'avais un copain danois au lycée, mais je l'ai plus revu. Je me souviens très bien de lui. Et il est très gentil, très sympa. Mais au fond, je réalise que je connaissais peu ou pas le Danemark en réalité, et à travers, j'en avais un préjugé très positif en réalité, à travers les produits, à travers ce que je savais du Danemark dans l'histoire, le fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Danois se sont comportés de façon héroïque. Et puis à travers aussi la performance du Danemark qui a réussi à être le pays où les gens sont les plus heureux. Donc j'étais très intrigué, très intéressé, mais je ne peux pas dire que je connaissais, non. Ça a été au festival CPH Docs, le festival de documentaire. Et j'étais très frappé par à la fois la décontraction des gens, mais aussi le monde, l'engouement, le nombre de gens qui s'impliquaient dans ce festival, et puis surtout l'engagement. C'était un festival très marqué par les droits de l'homme. Et je me rappelle d'un film sur Ai Weiwei, qui était magnifique. Et j'ai pas été surpris de découvrir là un peuple engagé.